Salut les amis, allez on est parti aujourd'hui, c'est la rentrée, on pousse là, tous les copains, rentrée officielle du club du Croatie, mais on est parti sur les hauteurs de la Monnière hier. On est parti, quelques premiers tours de roue et on va se régaler. Ça va être un rock'n'roll aujourd'hui. Il va y avoir un peu une descente glissante, des montées un peu techniques à la façon croatique. Voilà, pour une reprise scolaire. Ah, ils ont coupé l'arbre. Ouais. C'est Jean-Louis, ça, je suis sûr. Ouais. Allez, ça monte. Un petit signe bien glissant. On s'est pris une grosse rincée hier soir. Donc ça va être trempé. Un bien glissant, les caillasses et les racines. Donc bien faire gaffe aujourd'hui. Où on met les crampons. Voilà, il y en a un qui a fauté. Il y en a un qui a fauté sur les deux. Je sais pas lequel, mais. Première dispute. Tu parles encore du mois d'août que d'un fait septembre. Allez, ça pousse un peu. Allez, c'est parti pour la première descente. Il va falloir faire gaffe. C'est trempé. Les rochers glissent énormément. On va voir si on prend un peu plus de plaisir au départ de la sortie. Parce que franchement, je suis à l'agonie, je suis fatigué. Plus envie de faire demi-tour. Je suis à ras, là, ce genre. Voilà, typiquement, ce qu'il faut faire gaffe, si tu mets la roue dessus, tu finis en travers. Là, il faut les prendre bien droite. Comme ça qu'il faut faire gaffe. Ça glisse. Faut tenir le guidon enculé. Pardon, une grossièreté. Là, on va pas aller super vite. Hein. Les rochers, ils sont fuyants. Je sais pas si ton vélo là, c'est une bonne idée. Youhou! Alors rien. Ah ouais, franchement ça glisse. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va. Allez, deuxième partie. Il va y avoir un peu moins de racines. Ouh là là. Bon, ben, petit constat, pas mis rembourlant en montée, pas mis rembourlant en descente là, je suis pas en forme aujourd'hui. Les copains aussi apparemment, c'était un peu glissant. Ah ouais, il y a eu le président à pied dans la descente apparemment. C'est une honte. Cette semaine, les nordistes, ils ont roulé dans le grand soleil bien sec. Et nous, on roule sous la pluie et légèrement. Il n'y a plus de monde, il n'y a plus de saison, c'est déconné. Allez, on remonte en haut sur les hauteurs de la Monnière. Oh putain, qu'est-ce qu'il a fait à papa? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Allez, c'est parti. Tu n'es pas priorité à droite? Hein?
C'est par là normalement. Alors celle-là on l'a fait il n'y a pas longtemps. Et ça dit, à part les racines, ça glisse un petit peu moins que la dernière fois. Juste faire gaffe, on pose la roue. Ben, du moins, moi je suis plus à l'aise que la dernière fois, malgré que ça soit humide. Une arrière, elle est moins fuyant, il y a tout le tuyau avant à gérer. Petite descente alors. Ah, là était géniale celle-là. Ouais, malgré les racines, moi je trouvais justement qu'il y avait plus de grip que la dernière fois quand on l'avait prise. Bah non, moi il y avait Jean-Louis devant. Ah, ouais, toi il y avait Jean-Louis. Bon ben, pas le choix. Après une éclatante descente, ben, faut remonter. Parti. Bonne. Bonne. Et longue ascension. On arrive en haut. Toujours pas le mental. Fatigué. Les montées subies. Alain, il en peut plus. Écoutez-moi ce petit bruit. Olé. C'est pas beau tout ça. Et c'est reparti pour une petite descente. Je connais pas ça. Il y a un arbre déjà. Apparemment, elle est top. Ça glisse, ça glisse. Oh, bah elle est bien cette petite descente. Pas des plus techniques, mais c'est rigolo. On peut lâcher un petit peu plus les watts. C'est ludique, comme je les aime. C'est bon pour s'empaler. Une cuisse. Allez, allez, go, 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 go. Non, ils veulent pas go, go. Oh putain. Oh, c'est fait nickel. Putain, c'était pas marqué dans la feuille de match. On s'est fait avoir. Là, on s'est fait avoir. Bon ben, ça pousse un peu. Ouh, elle a eu raison de moi. Bon ben, c'est pas fini du coup. Ça monte encore. Ouais, je sais pas si c'est parti en descente, mais là ça descend un peu. Oh que c'est bon. Heureusement qu'on a de belles descentes. Hein. Ah, faire gaffe. Comme j'ai pas le mental en montée. Joli Hervé. Ah, ce qui est dur, c'est que toutes les roches, elles sont super glissantes. Il est dur de garder un peu d'adhérence.
c'est bien pentu et c'est bien glisse. Comme ça. Bonjour, merci. Putain, mais là, même pas il se freine le vélo. Pose pas le pied. Non. Regardez un petit peu la mer. Oui. Port de Kerkéran. Alain, fais la risette. Fais la risette. Fait de suite punir par une montée sévère. Ouais. Ouais, c'est la punition, ça. Rac. Ah putain. Allez, on a récupéré la terre et ça va encore monter un moment jusqu'au fort. On va s'accrocher. Oui, qui nous abandonne. Ouais, Corbeam, il abandonne ses troupes. Ouais. Voilà. Ouais, ouais. Il ramènerait dimanche aussi. Allez, ça monte toujours. Avec les super décors. Allez, on est reparti en montée. Pour vous, je fais l'effort. Ça va faire la dernière belle descente en vidéo. Et j'avais vraiment, vraiment pas envie. Allez, go pour la descente. Bon, je pense que celle-là, elle sera moins glissante que les autres. Mais elle reste pas moins technique. Y'a rien. Allez les gars. Allez, toujours en semi-rigide, Yann. Derrière à nouveau, je connais pas le prénom, mais ça engage aussi. Oh les, il lève la roue arrière et tout en descente. C'est beau, hein. Magnifique. Ça c'est le clan des semi-rigides là. Allez Gabi à l'engagement aussi. Rac, rac. Ça cherche moins le passage. Ça y va plus. Plus brut de décoffrage. Allez au point le plus haut. On est remonté au fort. Je vous l'ai montré la dernière fois. On y est revenu. Allez maintenant on va essayer de redescendre. Avant de se choper la grosse pluie. Allez, on est dans le dernier single qui va nous ramener aux voitures. Je vous ai passé la descente du fort en DFCI large qui ne servait pas à grand chose en vidéo. Voilà, bah écoutez, malgré un gros manque de motivation, j'ai quand même réussi à la terminer. J'ai pas mal aux jambes, mais c'est vraiment le mental qui me manque, je sais pas. Aujourd'hui, bon, on a fait pratiquement le même nombre de demi-blés que la semaine dernière, 800. Et les brouettes. Par contre, pour la moitié de bornes, la semaine dernière, je crois qu'on a fait 50. Là, si on arrive à 28-30, ça sera le grand maximum. Bref, quoi. Une super bonne sortie. Il n'y a plus qu'à arriver aux voitures et se boire une petite bière pour ceux qui veulent et un petit coca comme moi. Pour moi. Bon, on y est. La bière bien méritée, comme je vous ai dit, pour ceux qui la veulent. Santé, le coca pour les enfants. Et voilà, bien belle sortie qu'on a fait encore là, bien fatigué. Et puis il n'y a plus qu'à se remettre pour appréhender la prochaine sortie. Allez, ciao tout le monde!